Salut les seigneurs de guerre, bienvenue, c'est l'heure de la bataille fantastique. Je suis Tourop et je suis en compagnie d'Hervé. Et aujourd'hui, on joue à Age of Sigmar. Donc bataille format 2000, on est parti sur un modèle de costaud, simple, pour la reprise de Tourop, on est parti sur pas de magie, pas de tir, très peu, pour être sûr qu'ils puissent se remettre bien dans le bain. Il n'y a pas de rigolade quand même, on a pris que des War Scrolls parmi les plus solides, on s'est construit deux listes et on va se lancer dedans en mode gros bulldozer. Les listes. Alors, pour cette partie, c'est de la reprise pour moi, et encore, pas tant que ça de la reprise, mais plutôt de la mise en bouche pour découvrir le jeu. J'ai très peu de parties sur cette V3 des Age of Sigmar. J'ai donc laissé la main à Hervé pour construire les listes. C'est lui qui a crafté la liste Ogor et c'est lui qui a crafté la liste Eternal Stormcast. Qui de mieux placé pour présenter les constructions que le constructeur ? Hervé, est-ce que tu peux nous parler de ce qui va être joué sur ce rapport de bataille? Donc en simple, j'ai structuré deux listes pour qu'elles soient assez simples à jouer, qu'elles soient aussi assez miroirs dans le jeu, comme ça il n'y ait pas trop de perte de temps. Je les ai structurées sans qu'il y ait de sort, comme ça ça enlève une phase, c'est bien pour les débutants. Je les ai structurées sans trop d'effets spéciaux, d'effets de zone, pour que tu puisses vraiment rester ancré dans le jeu. Au niveau de la liste Stormcast, donc assez simple, j'ai fait une liste full paladin. Deux unités de Protector, deux unités de Rétributor, une unité de Décimator, deux unités d'Annihilator. Là, on est vraiment dans du ultra solide. On le voit très rarement. Du full paladin. J'ai même pas mis un autre War Scroll. Du simple, du miroir. Je suis parti au niveau des héros. J'ai mis une Drasta. Voilà, une Drasta. Elle peut refaire popper un petit paladin. C'est plutôt cool. Ça émue une bravoure d'un rien de 12. Et puis, comme en face, j'ai mis un gros monstre. J'ai dit qu'il est mieux qu'une Drasta pour aller la chasser. J'ai rajouté deux héros pour commencer à toucher tout ce qui est vétéran héros galéciens. Donc j'ai mis un impératant pour qu'il puisse profiter de PC supplémentaires, comme ça qu'il ait de la ressource pour les PC, qu'il puisse faciliter les fêtes. Et un héros chevalier questor, j'oublie toujours le nom. Je lui ai permis, pareil, les nouvelles optimisations, les nouveaux manuels du général, pour qu'il puisse se TP. Et pour fiabiliser ça, une petite pierre de chance pour qu'il puisse faire une charge à 12. Au moins qu'il ne soit pas frustré par une charge à 9 et qu'il y a des ratés. En face, je suis parti en ogre. Au niveau des ogres, bon, voilà, on est parti sur du simple. Je dis bon, il est solide, je suis solide. Allez, on part. J'ai mis 3 tyrans, simple, 3 unités de ventre dur, voilà, ultra simple. Un méga gargant pour un pote et des petites unités écran. Normalement, au niveau du gameplay, ben, il cogne pas mal. Moi, j'ai des écrans. Je cogne aussi, mais j'ai moins. On va voir comment ça se passait sur la table. Bon. Deux petites questions, du coup. Au niveau de la liste Eternal Stormcast, est-ce qu'il y a des unités qui, d'après toi, dans cette liste, sortent un peu plus du lot ? Ce serait vraiment des outils ultra intéressants dans la partie. Oui, alors tu vois, déjà, on a des unités qui sont assez tanky, comme les Protectors, qui... Là, on va faire un petit écart au niveau du coup. Pour 220 points, on se retrouve avec une unité qui tanque bien, une 3++1, Rentel, qui frappe déluge d'attaque. C'est des très bonnes unités. On se retrouve quand même aussi avec, comment dire, des unités de Rétributor qui vont faire de la BM. Il a le fait de l'optimisation spéciale des Stormcast qui lui permet, pour une unité de Paladin, et là, vu le nombre d'unités de Paladin, il l'a prise, rajouter plus une attaque. Donc, quand... Une seule de ces unités va charger avec son plus une attaque, là, et bon, ça va sauter. Ça déblaye. Et question, du coup, je te répercute la même question sur les ogres. Est-ce que toi, dans ta liste, il y a une unité spécifique ou deux qui, d'après toi, sortent vraiment du lot et vont faire des trucs stylés sur la partie? Alors, si par malheur,
si par malheur. Ça va, t'annonce déjà. Déjà, j'annonce. Disclaimer pour moi-même. Voilà, il venait à se mettre très près et que je venais à charger avec une unité de tyran, que je vais la faire frapper deux fois, que j'explose la première unité et que par ce petit malheur, je fais mon petit mouvement de peeling et que je viens de te récupérer une deuxième unité. Quel plaisir, j'espère qu'on va le voir. Quel plaisir. De te prendre deux unités. Quel kiff. Sinon, après, j'ai un petit trip. Ça va être avec un de mes zéros vétérans galiciens, qui est le général, qui a le trait de co pour pouvoir avoir deux noms. Donc il a une 3+, un objet magique pour une 5+, une nouvelle option des vétérans galiciens. Ça veut dire que s'il venait à mourir sur un 2+, il reprendrait un des 3 points de vie. Il ne faut pas que je fasse 1. Et ça veut dire que je pourrais quand même encaisser une charge, survivre, pouvoir refrapper à la phase de héros qui suit. Voilà, j'aimerais pouvoir le placer aussi dans la bataille. Ok, intéressant. Ok, vous avez les listes. La table de jeu, elle nous est fournie aussi par les Batailles Fantastiques, qu'on salue, les gars, évidemment. Vous pouvez les découvrir sur Facebook. On mettra le petit lien dans la vidéo pour que vous retrouviez cette association qui se trouve dans la région sud-ouest. On est un peu partout. On est un peu partout. On est un peu à l'opposé du jeu compétitif. Mais qu'est-ce que les Batailles Fantastiques? C'est un regroupement de joueurs dans un but loisir. Et un peu le format comme ça. On modifie un petit peu les listes pour s'équilibrer et passer un moment agréable autour d'une table. Bon. Ce que tout le monde recherche au final, mais en restant moins un petit peu à l'écart du compétitif, qui reste toujours un format agréable. On a fait le tour, les amis. On se retrouve immédiatement sur la table de jeu pour voir ce qu'il en est un petit peu des déploiements et attaquer les premiers tours. Alors, le déploiement, les amis, c'est relativement simple. Ici, on a les paladins avec les halbardes, donc qui ont une aptitude pour être un petit peu plus tank et donc encaisser un peu mieux les attaques de l'adversaire. Derrière, on a les rétributeurs avec marteau, qui eux distribuent des taquets qui font un peu plus de dégâts. Hydrasta au centre avec un petit groupe de décimators. L'idée, c'est quand même de se protéger à minima d'éventuels double tours ou de choses que va proposer Hervé pour m'agresser. Mon général. Qui est derrière aussi, et puis le même bloc sur l'autre flanc avec, encore une fois, les paladins avec halbarde suivi des paladins avec marteau. J'ai laissé en frappe en profondeur mes deux packs d'annihilator et mon castor. Intéressant puisque les annihilators peuvent avoir une charge à 7 après leur arrivée en profondeur. Et le boss, lui, il a une petite combo pour faire sa charge auto à 12, donc il peut arriver faire très mal. Concernant mon déploiement, comme je savais que j'allais lui laisser le premier tour, je me suis déployé en me préparant à mon tour suivant et espérant un double tour. J'ai positionné en écran les gnoblards. Voilà, je vais essayer de les placer en belle ligne et aller le plus loin possible pour essayer de fiabiliser les BM et le faire chier dans les mouvements. Après, concernant les unités, comme vous pouvez le voir, j'ai mis un tyran accompagné d'une unité de ventre dur pour pouvoir les cranter. Et voir un petit peu où est-ce qu'il va aller pour pouvoir aller un petit peu partout. J'ai posé mon géant à droite, donc j'ai mis en moyenne deux menaces plus une charge potentielle avec un tyran d'un côté, deux menaces plus une charge potentielle. J'ai fait une petite erreur en me déployant. J'ai positionné l'unité de tigre ici pour gêner un peu les mouvements. Et à la fin, je me suis rappelé qu'il avait quand même pas mal de FEP. Donc je suis revenu à l'arrière pour repositionner une unité anti-FEP dans mon arrière. Tour 1, alors globalement, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu l'initiative, enfin, j'ai pas eu l'initiative d'ailleurs, c'est Hervé qui m'a laissé jouer en premier. Globalement, je me suis un petit peu positionné. J'ai envoyé un paquet de paladins avec marteau se désaxer sur le flanc et se positionner sur un objectif, puisque j'ai utilisé la tactique de bataille qui consistait à avoir un objectif avec le champion de galets et puis évidemment le scoring qui consiste à avoir 1, 2 ou plus que l'adversaire. Donc l'idée c'était de mettre 5 points là-dessus en envoyant les paladins marteaux et à petite arrivée des frappes en profondeur avec le champion de galets qui est venu tout au fond mettre un tout petit orteil sur l'objectif histoire de prendre ça. Un petit peu de mouvement mais très anecdotique dans mes lignes. Et puis surtout l'arrivée de 3 annihilators. L'idée c'était d'utiliser l'aptitude qui permettait d'arriver à 7 et donc avoir une charge à 7. Ces gars-là sont arrivés, ils ont une charge à 7 reroll et évidemment, vous vous doutez bien que ça a été un double cut, donc mon tour 1 en fait s'est arrêté à ça.
ce qui a pu laisser la main à Hervé. Et puis bah, je vais te laisser nous parler un petit peu de ce que tu as fait. Tu as fait des trucs un peu stylés quand même. Ouais. Moi, j'ai fait prendre de l'élan. Au final, j'ai fait pareil que lui. J'ai dissimulé mon géant dans la forêt pour être sûr qu'il ne le remarque pas et qu'il prenne l'objectif. D'ailleurs, je me demandais, ça a l'air de marcher. Ah, mais il est là, ton géant. Il est bien plaqué, il est derrière un arbre. Je suis pas là. Sûr. Et j'ai placé, après, j'ai fait du placement pour commencer à ralentir un peu cette horde de paladins. J'ai fait prendre de l'élan, il fallait que je tue une unité. J'ai choisi, il va de soi, les trois valeureux Annihilator que j'ai annulé. Et je leur ai montré comment on faisait des BM à la charge. Ouais, ça a bien ils marché. Ils ont l'air d'avoir bien compris. J'espère que les potes dans le ciel n'ont pas très bien compris. Tu les as chargés avec trois unités. Ouais, deux, comment on les appelle, les ventres. Les ventres durs. Deux ventres durs. Et un boss. Et un boss, voilà. Ouais. J'ai pas mal de BM. Et j'ai placé mes gnoblards au milieu pour commencer à gêner et à faire péter des grenades. Et puis on va voir qui va avoir l'initiative. Ouais, là, ça va. Je sens que ça va être quand même assez. Assez... Regarde un peu dans le blanc des yeux pour l'instant, tu vois. Ouais, on va très rapidement voir. On va se dérouler ce tour et puis on va voir où ça nous mène. Allez. Les amis, tour 2, tour qui n'est pas glorieux pour les Stormcast de l'Éternel, qui n'ont d'Éternel que le nom, après tout. Donc globalement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé un petit peu d'être offensif et de récupérer des objectifs. J'ai utilisé la capacité de TP de mon héros, dont j'ai oublié le nom. Le chevalier Castor, qui avait une quête. Voilà. Quelle était sa quête? Je ne sais pas. Peut-être. Il a casté, il a utilisé son TP. Je suis parti sur un objectif qui avait été laissé par Hervé avec deux chiens. C'est l'objectif de la zone de déploiement. Ce qui m'a permis ensuite d'aller charger les chiens, de tuer qu'un chien, malheureusement, mais de récupérer l'objectif, parce que je compte pour deux chiens. Ça m'a permis de mettre au moins deux points sur le scoring. J'avais choisi en tactique de bataille le œil pour œil. Et donc du coup je suis allé tuer, il y avait ces chiens qui étaient en barrage, qui étaient une cible facile, hein, pas trop d'utilité. Par contre j'ai envoyé un pack de... c'est les rétributeurs avec marteau. C'est des rétributeurs. J'ai envoyé un pack de rétributeurs dans le géant pour commencer à lui faire du dégât. Je crois qu'au total j'ai fait 13 PV. Quelque chose comme ça. Ouais, t'as fait pas mal de points de vie, ouais, t'as fait un truc comme ça, 13 PV. Je lui fais 13 PV et je me fais décalquer en retour. Par contre, tu me l'as piétiné salement. On était sur du full touch, full bless. Et ça a été sanction immédiate. Ce qui me permet quand même de faire 4 points sur ce tour. 2 points parce que je tiens 2 objectifs. Et les 2 points de la quête puisque j'ai tué les petits clébards au milieu. Voilà. Après, je me suis quand même resté enfermé parce que en fait, moi, j'ai vraiment une difficulté géométrique avec les unités Stormcast par leur petit mouvement. Je trouve qu'en fait, ils sont hyper durs à projeter stablement pour aller chercher des charges. Et donc, je me voyais pas en fait avancer et avancer mes unités pour avoir des charges à 9 ou 10 parce que c'était le cas notamment pour les paladins avec halbarde. Pour aller chercher les mecs qui sont sur l'objectif, ça me faisait des charges à 10. Je trouve qu'en fait, c'est pas du tout stable. Je peux pas charger à 10. Déjà que j'arrive pas à faire des charges à 7 relançables. Alors imagine des charges à 10, on n'y est pas encore. Donc voilà. Et puis après, bah, le tour 2 d'Hervé. Alors moi, mon tour 2, tiens, dis-moi, tes annihilators, tu les avais gardés ou tu les avais oubliés? Non, je les ai gardés. Ah, je me suis dit pendant 2 secondes, j'ai dit, tiens, il a oublié ses annihilators. Non, je les ai gardés. Je voulais... Justement, en fait, moi, l'idée, c'était de dépolariser parce que je sentais que sur l'objectif que tu as capturé à ton premier tour, avec les deux gros packs et ton patron, ça servait, je pense que la lutte est perdue pour son objectif. Donc c'est pour ça que je me suis barré d'un côté, j'ai fait TP mon perso et j'ai gardé les paladins, les annihilators en fait pour avoir encore un peu de répondants par la suite. Tu vois. Ok, non, mais là, c'était mon plan. C'était un plan. Donc bon, après, il s'est passé des choses fantastiques. C'est que mon géant... Après tout, c'est le thème. C'est la bataille c'est la bataille fantastique. Mon géant qui s'est pris pour un sapin depuis le début. Il a tout touché. Voilà, à un moment donné, voilà, on est dans l'improbabilité, il a tout touché. Tout, c'est ce qu'il a fait, il réussit. Il est dans la baraka ultime, il est dans ce qu'on appelle dans la zone au sport, c'est qu'il réussit tout ce qu'il fait. Et après, il a frappé, j'ai lancé 4D, il est dans la zone, il a fait une parade, il a fait 4-6. Normalement, voilà, ça aurait dû être une autre histoire, mais voilà. Il vit son moment, lui. Juste pour bien qu'on comprenne, parce que là, t'as basculé directement sur ta phase de combat, toi, de ton tour 2. À ton tour 2, tu as quand même t'as envoyé le géant et les... Ce que je suis en train de faire là, je suis en train de faire une grosse zone de figurines pour être sûr que si... J'ai peur de son tour. Voilà, je le redis encore, je sais ce qu'il a dans les mains. Il ne le sait pas encore, mais je connais la puissance de son armée. Je sais qu'il peut me balayer très rapidement. Donc,
je reste groupé pour avoir quand même pas mal de ripostes, pas mal de points de vie et vraiment un gros tanky avec des héros placés en mode mon petit héros derrière en mode piège. J'ai repositionné un mur de figurines, j'ai sacrifié cette unité en la mettant devant, en la mettant à couvert pour, s'il a le tour, avoir quand même une contre-charge assez, assez importante. Là, j'ai brillé, j'ai quand même chargé avec 3 unités, mais ça va être très compliqué de passer les deux. Bon, là, si c'est mon tour, je me suis mis peut-être un petit peu loin, mais j'attends vraiment. Le score est assez serré, je mène que 2-1, et là, ce tour-là, il peut vraiment me faire mal. Donc, on va voir. Tu ne nous as pas dit la quête que tu as pris pour ce, ce tour-là. Donc, moi, j'avais fait capturer le décor avec capturer le décor avec les gobelins. J'ai capturé, tu l'as fait. Et j'ai fait. Bon, j'avais laissé 2 clébards pour protéger la bouffe. Ouais. Et mon. Mon roi en personne est allé, éclater le du mec. Voilà. Ouais. Il a fait une heure de gloire qui a servi à rien. J'ai fait un 6. Bah, moi, j'ai vraiment utilisé mes PC, ça n'a servi à rien parce que j'ai fait une heure de gloire. Il me restait un PV, ça, tu l'as tué à la mortelle, donc j'ai pas pu utiliser mes super sauvegardes. Et j'ai utilisé une heure de gloire aussi sur mes halbardiers pour avoir un plus 1 à la touche. Non, c'était et tu as fait, la technique de l'assaut allégeance. Oui, l'assaut allégeance. Les paladins pour avoir un plus 1 à la touche, mais tu as fait 4-6 à la save sur les 4 blesses, donc ça n'a servi absolument à rien. voilà, on en est là, on va attaquer le T3. Je t'avoue que le double tour là m'embêterait énormément parce que je vois pas trop quoi faire si t'as un double tour. Mais on va voir ce qui se passe sur ce tour 3. Tour 3 les amis, alors globalement ce qui se passe. Déjà on loue une petite prière à Sigmar parce qu'il n'y a pas eu de double tour pour les Ogors. Je pense que le double tour, déjà on va voir comment ça s'est passé à la fin de ce tour 3. Sans le double tour pour les ogres, je pense que s'il y aurait eu un double tour pour les ogres, ça aurait été sanction divine directe. Sigmar a protégé, qu'il soit loué. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, globalement, là, il n'y avait plus trop le choix. Il n'y a plus trop le choix sur la phase de mouvement. Il faut rentrer dans l'art d'Hervé et puis essayer de faire un maximum de dégâts. Je décide de prendre la tactique de bataille. Alors, j'ai pas énormément de choix. Et au vu de comment ça va se profiler, il faut que j'essaye d'abattre Big Poppy puisqu'il est sorti de sa forêt et il faut en profiter. Donc je me dis ok, ben on va capitaliser là-dessus. J'envoie du monde, du coup là la petite Rasta, Hydrasta. J'envoie Hydrasta, j'envoie mon paquet de palouf avec les armes, je sais plus c'est laquelle. C'est les décimators. Les décimators, j'envoie les décimators. Je fais arriver aussi des annihilators de faible pour aussi aller charger à 7 le big boss. Et puis après, j'avance dans le paquet qui s'est stacké dans la forêt. Voilà, bon, globalement, on n'a pas trop apologisé là-dessus sur l'utilisation des aptitudes de héros, etc. etc. Mais bon, il y a un petit peu de gestion autour de ça. Bagarre, corps à corps, globalement toutes les charges passent sauf une qui était importante pour le coup, qui consistait à... Non, en fait, toutes les charges passent pas, j'ai des bêtises, parce qu'en fait, les annihilators qui ont leur charge à 7 rerolls, bah, ils re-ratent leur charge à 7 rerolls, donc ils restent comme des gros fruitos dans leur forêt, et le pack de décimators fait une charge qui est pas suffisante pour aller chercher le géant, donc je vais réussir au final qu'à mettre 2 mecs sur le géant et 3 mecs sur... Bah, à défaut, ils vont aller contacter les braves ogres qui n'attendent que ça, hein, qu'on vienne leur caresser le dessous des noix. Donc voilà. Après, se suit la séquence de combat qui, au final, et c'est ça qui est très frustrant, qui au final est même pas forcément en ma faveur. Le pack d'ogres qui est dans la forêt, j'enlève 3 ogres, pas suffisant. En vérité, je wipe pas l'unité. Le pack de décimator, bah, le fait de splitter les attaques, en fait, c'était pas une bonne idée. Il aurait fallu en vérité mettre tout sur les ogres, mais bon, bah, là, moi, j'ai pas assez de connaissance des statistiques, pas assez de connaissance des capacités de résilience et de destruction, que ce soit des unités d'Hervé ou les miennes. Donc, bah, je me dis qu'il faut quand même que je tombe le gros. Je lui enlève très peu de PV. Je crois que j'enlève 6 PV, il me semble, de mémoire. Et puis j'enlève quasiment rien sur les ogres à côté. Je crois que j'enlève un ogre. Je dois enlever un ogre, je crois, sur les ogres, sur les mecs d'à côté. Ce qui fait que eux derrière ont la riposte. Et là, il active son double cac. Et donc, il va me laver le pack de décimator. Et le gros va commencer à écraser un petit peu Hydrasta. Et il lui enlève 3 PV. Alors, comme il a perdu des PV et que je lui mets moins 10 PV avec Hydrasta, il est en dégressif très bas.
Et donc, il va pas faire beaucoup de dégâts à Hydrasta. Globalement, voilà. Et après, après il y a de la riposte sur les mecs qui survivent dans la forêt. Il me fait quand même des dégâts. Je vais enlever les Gnoblars avec les autres décimators. Je vais réussir à enlever ce pack-là. Et puis je finis mon tour là-dessus. Mais au final, le trade de ressources n'est pas hyper intéressant parce que je ne tue pas le géant. Je perds mes décimators. Je ne tue pas les mecs que j'ai enquillés dans le close dans la forêt. Donc, j'ai pas été vraiment... vraiment impactant sur le moment où je dois l'être. Donc voilà. Et après, ce qui fait qu'on enquille sur le tour 3 d'Hervé, au vu de la configuration, hein, ça remet des tartines dans le sens opposé. Et puis en plus, là, tu vas pouvoir rentrer avec les autres qui étaient en repli, avec l'autre pack pour venir faire de la mortelle à l'impact. Et puis là, c'est le drame. Donc c'est vrai que là, maintenant, tu es en situation, une belle situation dégradée. Ou bien dedans. Là j'étais un peu dégradé. Voilà, tout à l'heure c'était non conforme. Ouais. Et là c'est vraiment dégradé. Là ça craint. On va pas se mentir, déjà j'ai une baraque énorme. Voilà. C'est vrai que là c'est une baraque énorme. Stat, ça veut dire qu'un tir de base, je fais 3 dégâts. Un tir qui doit faire un des 3 dégâts, qui doit passer avec plein de jets, ben, ça fait 3 dégâts. J'ai des jets de sauvegarde. Qui sont déjà consistants, qui sont quand même pas mal. J'ai les bons jets. Après, le fait qu'ils connaissent pas les menaces, alors on les a bien décrit, on a créé un truc, mais c'est vrai que la double activation à des moments donnés où il est peut-être resté dans l'envie de tuer le gros et il oublie cette double activation qui fait un déluge d'attaques parce que voilà, les Iron Gut, quand ça frappe deux fois, qui au contact ça saute. Donc il s'est fait un peu surprendre par cette double activation, mais après c'est un peu normal, il joue moins souvent. Je joue pas du tout. On joue pas du tout. Hein. La dernière partie, c'était à Battle. Hein. C'était en V5. C'était en V5. Et donc là, je prends l'ascendant. On va voir sa ténacité pour voir s'il essaie de me perdre avec le moins de points possible. Et on va jeter les dés. Ouais. On va voir si à un moment donné, il va réussir quand même. Parce qu'il a quand même fait 4 charges relançables avec des annihilators qui n'ont toujours pas réussi. Oui, il y a un moment, est-ce qu'on va réussir à faire un truc. Donc de toute façon, les annihilators, très honnêtement, ils vont essayer de. Le géant lui reste combien de PV? De mémoire, il en a perdu. Ouais, parce que t'as réussi à me tuer un annihilator en jetant un couteau là avec un mec de loin. Oui, chaque fois que j'ai lancé un truc, j'avais une save à 2 plus. Chaque fois que j'ai lancé une save à 2 plus, elle est ratée. Donc normalement, si je joue, je vais essayer de le table raser. Oui, mais vraiment d'une insolence horrible. Je pense que essayer, c'est même pas intéressant. Si je joue, on va voir s'il arrive à tuer quelque chose et à marquer un point. Ouais. Voilà. Voilà, je pense qu'on a fait on a bien dit, ça n'ira pas globalement plus loin que le tour 4. Je pense que là, les Stormcast sont enterrés, ils sont retournés à l'état de gaz vaporeux. Et puis, on va essayer de faire un petit baroud d'honneur sur le T4 en espérant ne pas se prendre un double tour parce que là, ça sera la fin, quoi. Pour le tour 4, qu'est-ce qui se passe? Globalement, en termes de scoring, je peux rien faire de plus en termes de scoring. Donc, on est là pour jouer. Donc, l'idée, ça va être de coller du dégât un petit peu. Nos amis les annihilators vont charger le géant et puis après mes 3 petits gars qui sont déjà au corps à corps donc ils y restent. S'ensuit des échanges, je vais enlever 6 PV sur le géant, je vais enlever deux gros sacs au corps à corps avec un paladin survivant sur lequel on va mettre le plus une attaque et plus un hit, plus un bless. Et puis après derrière c'est la sentence, je me fais raser. Et il reste deux annihilators pour le tour et deux annihilators et un autre gars pour le tour d'Hervé. Et globalement il a même pas besoin d'attaquer sa phase de combat puisqu'il va me les enlever à la BM à la charge, puisqu'il va respectivement faire 12, 11 et 11 sur ces 3 charges. Donc jeter un saut de dé pour les blessures mortelles, ce qui clôture cette game. Moi je vais mettre 0 points sur mon tour 4. Hervé va mettre 5 points sur son tour 4. Donc là il prend vraiment la pente ascendante. Et après, le tour 5, j'ai plus d'unité, donc il va mettre ses 3 points pour tourner les objectifs et il a plus d'options pour aller récupérer des tactiques de bataille. Ce qui fait qu'on arrive à un total, Hervé, de combien de points? On l'a pas fait le total. 26, parce que j'ai plus 3 avec la grande stratégie. Ouais. 5 et 4, 9 et 1, 10. 26 à 10. 26 à 10. C'est ce qu'on appelle, dans le jargon, une... Alors, il faut quand même recontextualisons. J'ai eu une chance. J'ai fait la partie ultime. Voilà, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça.
tout PG. Je l'ai réussi. Ouais, c'était je réussis quand il faut réussir. Je sais pas quoi dire. Ouais. Je fais des. Lui, il devrait être mort. À un moment, je me suis demandé si c'est pas toi qui avais inventé Age of Sigmar. Le jeu. Ouais, à un moment donné. Ça coûte tellement de sauce. Je sais pas comment dire. Quand je fais des sauvegardes à 6, 4 sauvegardes à 6, je fais 4-6. Ouais. Quand j'aide pour toucher, tout touche. Ouais, voilà. C'est, après, c'était une barre. Voilà, il n'y a pas eu d'échec. Moi, j'ai eu un petit peu de. Non, t'aurais pu. Il y a ça qui joue aussi, hein, le fait que tu es un petit peu au-dessus en termes de stats. Et moi, je pense que je suis un petit peu en dessous en termes de sauvegarde, etc., etc. Du coup, ça crée un delta qui est assez conséquent. Alors, après, dans le jeu, ouais. Qu'est-ce qui m'aurait plus mis dans la merde? Après, attention, je structure les deux listes. D'accord, j'aurais pu jouer les deux listes. Je les ai structurées dès le départ. Je joue plus souvent. Faut qu'on fasse le match retour. Ou le match retour. Et toi, tu prends les autres. Ouais, on pourrait. Ça peut être rigolo. Ouais. Et avec plaisir. C'est vrai que pourquoi j'ai vu passer les autres. Ça s'appellerait la deuxième bataille fantastique. Ça serait une deuxième bataille fantastique. C'est comme ça qu'on appellerait la vidéo. Putain. Et. Je vais pourquoi je t'ai donné les Stormcast, parce que c'est plus simple au final. Oui, c'est soit une armée de débutants, ouais. Et qui permet pas trop de règles spéciales. Là, il y a quand même pas mal de règles. Il faut bien se placer, organiser les contre-attaques, toujours faire des écrans devant, que je l'ai fait tout le temps. Non, mais après je pense que t'as fait un truc qui paye jamais. C'est envoyer des petites unités que j'ai bouffées. Ouais. Moi, quand j'envoie trois des charges, je pense qu'en étant plus offensif avec ta FEP, à faire un bloc, envoyer plus de monde vraiment, parce que tes mecs, il faut qu'ils tapent, d'accord, il faut qu'ils aillent au contact. Bah, c'est à dire que j'aurais mis plus de monde. J'aime bien l'idée de FEP et charge, j'aime bien. Je l'ai fait deux fois, mais c'est pas passé. Je pense que ouais, j'aurais été. C'est vrai qu'à un moment donné, j'avais détruit une première partie, puis l'autre partie était un peu plus loin. Et puis j'ai avancé, puis bon, lui, voilà. Après, voilà, ouais, bref, ouais. Quand les dés sont avec vous, les dés sont avec vous. Mais ouais, après, moi, ce que. Oui, chérie. Pour Oui, tu fais quoi, chérie, là? Après, en termes vraiment notion de jeu pur, moi, ce que j'ai pu voir, les difficultés de jouer les Stormcast, leur mouvement de 4, en fait, je trouve qu'il est très, très handicapant. Sans connaître Age of Sigmar, je peux de surcroît dire que c'est des unités qui seront peu jouées, voire pas jouées, parce qu'il y a un mouvement trop faible. Et en fait, c'est des unités de corps à corps que tu ne peux pas amener au corps à corps. Ou alors, face à toi qui a un mouvement de 8, tu peux toujours avoir l'ascendant. En plus, tu l'as dit à juste titre, tu as des cordons, donc c'est vrai que ça amène une technicité de jeu. Tu n'as pas voulu m'imposer ça, le fait de rentrer en plus de me filer de la data à prendre en compte sur les trucs d'aéro, etc., etc., en plus la gestion des cordons. Mais en fait, toi, tu as des cordons qui te permettent d'encaisser éventuellement une première vague de charge, et j'ai pas une mobilité qui va me permettre de jouer, de tourner autour, etc., etc. Donc je pense qu'il y a une vraie difficulté sur le mouvement. Ça m'a paru un véritable handicap, mon mouvement 4 face à ton mouvement 8. Et après, sur les séquences de trade, parce que j'ai pensé un peu à cette partie, je t'avoue, je me suis pas posé longuement, mais je me suis dit, qu'est-ce que je peux avoir en ma faveur? Je connais pas les datasheets et je connais pas les caractéristiques. Donc je sais pas vraiment sur quelle phase je peux prendre l'ascendant ou pas. Donc en termes de cette gestion là, voilà. Et après, c'était sur dire comment on gère le trade, en fait. Si je te donne une unité, je t'en enlève une, etc. Et en fait, je trouve que toi, ton armée, elle gère très bien ça, parce que tu as des outils. Bah, t'as les BM à la charge, ouais. Qui pètent le trade, c'est-à-dire que au final, tu sais que quand tu vas charger une unité, tu vas l'arracher. Moi, t'as vu, j'ai chargé à plusieurs reprises, bah, même ceux que j'ai chargés dans la forêt, je les ai chargés, je les ai pas enlevés. Alors que je les ai chargés avec un pack complet plus un héros, je les ai pas enlevés. Donc tu sais que toi, t'as cette assurance de charger tuer, et moi, je l'ai pas. Et en plus, derrière, t'as la notion de la double activation, qui fait que voilà, même quand c'est pas toi qui as l'initiative du combat, bah, derrière, tu vas pouvoir quand même reprendre le trade. Ça, c'était une vraie difficulté. Après, c'est le jeu. Après, c'est le jeu. C'était cool. Après, le scénario fait beaucoup. On est beaucoup. Voilà. Après, on pourrait refaire deux fois la bataille. On aura peut-être deux choses différentes. Je pense qu'à la rejouer avec les Eternals, si je devais modifier quelques trucs, peut-être enlever une ou deux unités, trouver des trucs un peu mobiles. Je sais pas. Oui, il y en a plein. Il y a plein de trucs. C'est vrai qu'au départ, je t'ai fait un thème, comme je te dis, un thème astral. Ultra, ultra, ultra paladin. Après, chacun a un gameplay différent. Ouais. C'est vrai que l'ultra paladin, c'est vraiment je fonce sur les objets. J'aurais gardé plus d'unités en TP. J'aurais TP à coup de 2-3 unités par-ci. 2 ici, 3 ici, pour être sûr direct d'être là-bas. Ouais. Et pour après avoir. 3 zones de combat, voilà, j'aurais fait plus comme ça. Okay. Mais après, attention, c'est des unités qui frappent et qui ont la capacité d'enlever des unités. Ouais. Après, je te vais dans la forêt. Je l'avais placé esprit là. Mais c'était cool. Non, c'était cool. Comme je t'ai dit, je redécouvre. En vérité, je redécouvre Age of Sigmar et je trouve que le jeu a une vraie préhension tactique
que j'avais pas découvert, parce que j'ai connu Age of Sigmar aussi à ses débuts, à la V1, à la V2, même si je suis resté très loin, enfin très loin, où j'y ai joué un tout petit peu, tu vois, pas autant que vous, ou du moins les mecs qui ont une pratique régulière du jeu. Et je trouve que là, il y a une vraie réflexion tactique, on se demande avec le choix des tactiques de bataille, qui sont, disons-le, qui sont pas faciles. Hein. En vérité, c'est vraiment pas clé en main, faut se poser les bonnes questions et tout. Tu vois, je pense que le fait d'avoir choisi la tactique de bataille, d'aller tuer le géant, ça m'a mis dans la sauce parce que ça m'a poussé à vouloir aller chercher là où, comme tu l'as dit, en fait, j'aurais dû aller taper les ogres. Et en fait, le fait que j'ai dit, je prends ma tactique de bataille, c'est tuer le géant, ça m'a poussé le jeu à faire des mauvais choix, tu vois. Mais c'est intéressant de se dire que le choix de ces tactiques de bataille est hyper important sur de la gestion des unités, etc. C'était très cool. Et puis, franchement, très sympa. C'était une bonne partie. J'aurais aimé te donner un petit peu plus de répondants. Ouais, mais après, peut-être sur la deuxième bataille fantastique. Ouais. Après, il y a un paramètre. C'est dans le nouveau manuel du général, des fois, il faut accepter de ne pas passer une tactique de bataille. Ouais. Car c'est tellement difficile. Alors, quand on a la win et qu'on défonce tout et qu'on gagne, à un moment donné, c'est la facilité. Mais il y a peut-être le tour 1, et à un moment donné où vouloir courir après une tactique de bataille pour être sûr de la placer et puis se mettre en difficulté, il faut accepter de perdre deux pour remarquer après derrière. Ouais. Tu vois, et pas. Mais là, en l'occurrence, du coup, j'aurais pas dû prendre parce que tuer le géant, ça peut se faire à un moment dans la partie. Comme il y a un monde où ça se fait. Là, il avait quand même encore pas mal de points de vie. Et c'est un truc que j'aurais pu garder peut-être pour 4 tour 5. Je pense que tu aurais dû faire ce choix, perdre ces deux, mais défoncer l'unité de ventre dur. Ouais. Et double activation. Ouais, la double activation, elle fait super mal. Je pense que voilà. Mais après, tu connais pas les War Scrolls, même si je te les ai répétés, c'est normal, ouais, c'est normal. Il y a beaucoup d'infos là-dessus. Pour une initiation, là, pour étant, faites une initiation à 500 points. Hein. À 500 points, vos amis. C'est cool quand même de jouer à 2000 points. Ouais, voilà. Ça donne le côté bataille fantastique. Bah, oh là. Allez. Yes. Eh bien, écoutez, les amis, on espère que ça vous a plu. Volonté aussi de faire un petit rapport de bataille un peu plus condensé, où on s'est concentré un petit peu sur les images, les belles figurines, et puis le côté sympathique du jeu aussi, hein, parce que comme l'a dit Hervé, c'est pas du jeu compétitif, l'idée est d'avoir aussi un échange, puis de voir comment tourne le jeu et prendre du plaisir autour du wargame. Donc voilà, on espère que ça vous a plu, les amis. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson, les petits pouces bleus, les petits commentaires, tout ça. Et puis, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, Age of Sigmar. Peut-être, on verra la suite en tout cas. Je vous souhaite une bonne soirée, ça dépend des six, de soir. Des six au bon moment dans la vie. Des six au bon moment, des grosses charges. et puis ça fait plaisir, des belles figurines, les amis. À très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Creative Wargame. Allez, ciao!